Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui nous sommes le 28 septembre 2023. Bandeko, Mbutu eza na ba parti politique. Na ebite soki bozo landa actualité, ba parti politique e belé toza na tumulte moko ako sakanate. Pourtant, c'est le moment où ils devraient se mettre ensemble pour que, bah, expliquer peuple congolais là où ils veulent amener le pays. Alors, nanaza ko réagir sur l'actualité qui est vraiment prédominant sur les tumultes qui se vit actuellement à la veille des élections, nakati aba parti politique, yo ya minene, otoyebi. Quels sont ces partis politiques? Nous avons l'UDPS. Nous avons Ensemble pour la République et nous avons la plateforme électorale que nous appelons la Muka. Nakati ya la Muka kuna to bandela na nwana ozako mona batu bazako yokana te. Les gens pratiquement ne s'entendent pas sur cette candidature justement de Martin Fayulu. Bon. Moi je ne sais pas si il a renoncé à ce que tu as parti politique naïe, y a la Muka, disons y a SID, va participer na ba élection, ou bien c'est pratiquement ensemble y a la Muka, parce que ce n'est pas lui qui est, je ne sais pas, peut-être Naza Komiko ça, mais je sais que pour l'instant Olazala azo présider la Muka et qui devrait prendre les décisions nécessaire à la Muka Zala qui professeur Kalele. Mais maintenant poids politique, le poids politique du professeur Kalele justement n'est pas vraiment ressenti. Bon, Martin Fayulu reste le l'emblème emblématique, le candidat ou bien la personnalité emblématique à la Muka qui a vraiment convaincu les gens par Kalele. C'est pour cela, vous avez vu, quand Fayulu est passé à la télévision, il est passé au nom de la Muka, en disant que la Muka qu'on participait dans ba élection T. Entre temps, maintenant, nakati ya la Muka, en gros, ba division ezali, finalement, on ne sait pas quelle est la position réelle. Fayulu, a kokende, ba élection, toi, kokende, ba élection T. Il a maintenu encore cette suspense là et ça crée pratiquement na katia machine wana une certaine division, pas division mais une certaine animosité moko boye, parce que bah, les critiques vont dans tous les sens, c'est-à-dire que batu msuba zolo bake non batu belé to combattaki pour la Muka, nous espérions que demain nous serons des députés. Est-ce que c'est ça la lutte? Vous aviez lutté pour les postes. Est-ce que vous aviez lutté pour être demain reward, comme on dit, on va vous servir par un poste ministériel ou bien un poste y a député? Non, moi je ne pense pas. Ceux qui sont en train de se dire que non, pour cela, Fayulu doit aller aux élections parce que c'est Kozala Tourna Bango. Moi je me dis que nous avions perdu la raison. C'est dès lors que moi j'ai dit que nous avions perdu la raison. On n'a pas raison. Qu'est-ce qui est le, où est le problème? Est-ce que tu as la Muka ba yebi problème place Zali? Pour que tu as zizani na katia plateforme na mango. En tout cas, moi je me dis, je suis un peu navré. Voilà un peu, je vous explique. Hein, ce qui se passe ba mbutu mbutuana à la veille des élections. Pendant que c'est maintenant là, que la Muka balinga ki babanda ko expliquer biso comment ils vont résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo dans l'ordre, dans la dignité, dans le respect, batuna batubaza ko respecter idéal ni nango baza nango pona Congo. C'était le moment yango yo. Mais wana ngana zo mona ngote, bon je me dis tozo kende finalement wapi, bon je ne sais pas. Wana kote à la Muka, token de kote à y'ensemble.
Cet après-midi, na moni, en fait, c'est, Jacques Ndala, le qui n'a pas média ébélé. Il est en train d'exprimer son indignation. Rappelez-vous, pour vous qui me suivez ici, sur Contact Pro Live, je vous avais dit que, bandeko, ensemble, ngana sepe la kanabatu ensemble, parce qu'ils sont quand même, bon, ils ont, la façon dont ils ont organisé ce parti-là, même s'il y avait des clivages à l'interne qui n'arrivent même pas encore à être résolus, mais le parti est resté tout simplement tout autour de Moïse. Le problème que moi je crains dans l'ensemble, Zanini, et ça, cette déification à Moutou. On déifie Moïse et jusqu'à ce que les gens tout autour de Moïse commence à se combattre. Voilà l'erreur qui se trouve dans ce parti politique. Oh, Alinga remplacé. Oh, Alinga boy. Oh non, il y a des mutos à la approche à Moïse, tout ça. Et Moïse est le centre de tout. Bon, bah tu as dit on a trop ça bango mboka ndenge nini. Quand vous ne savez pas partager les responsabilités, je vous avais dit que non. Mboka na biso mutu mokote. Personne ne pourra se dire que non, c'est celui qui va accoper Sabino Moussala, tout ça, c'est celui qui a la vision. Non. Alors, à Contact Pro Live, nous prenons quoi? Nous prenons ce que nous disons ici, la rétrocession du pouvoir. Il faut que Moutou Moutou, Azala na pouvoir naye, et puis Azako exerce en on a ndenge à Bosolo. Il faut pas que Moutou Moko kakane Moutou Tokubanda koya kou. Sinon, moi, ce que je remarque dans l'ensemble, y'a moana, moutounyo se foye banaka na Moïse. Il faut que quand Moïse a résoudre le problème na ye. On ne sent pas l'autorité yabatou o bazalaka, ba divisionnaire banan. Chacun se bat, nambongo na ye pour que a attiré attention à Moïse. Les gens pensent que Moïse pourra leur donner à Batillo et à Babilo que belé belé. Voilà les trucs que moi je trouve de négatifs. Puis ils ont pu s'appeler Mboutou Mboutou Nakati ensemble. Yangoana. Bandeko, pour nous aller moi, Moulaïte, toi qui n'en a pas côté à I2PES. Ya, côté Kounande Rissoussou, Mobulo et Zali, Moko Nandenge, Moko Akosakanate. Nini, Likambo Abapap, Likambo Gaya, un règlement d'ordre intérieur et Panza Bango. Et ils ont essayé, ils n'ont même pas un président et un parti politique. Personne ne respecte qui que ce soit, na côté à I2PES. Voilà l'ensemble dans lequel, trois partis, grands partis politiques, on a, Ezako Tchabiso. Et finalement, le peuple congolais ne sait pas exactement à quel sens se vouer. Na modèle à Mboutou Mboutou, oh, Zako Lobabo, vous voyez, on se pose la question. Bandeko, à deux mois des élections, vraiment les partis politiques ne sont pas organisés. Batou, oh non, Batou, qu'en débat élection, t'es Batou, sous, oh boy, tout, Batou. Et ça passe. Ça fait très mal, mes chers amis. Et moi, j'ai honte de notre pays. J'ai honte de nos partis politiques. J'ai vraiment honte. Nazana, moi, son, ni moko, bo, nazan, comme yoga, nobi, mais c'est pas possible. Bako, soit, nabo, ezabo. Alors. L'alternative, c'est quoi, peuple congolais? Alternative, ni n'ango tozo zwa sikoyo, nandenge tozo kende boy. Bon. Tozo talabato, bazako postile ba candidature na bango, on ne sent pas que non moutou a kogiko zala président de la République. Les autres que vous connaissez, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Ba msusu ba toyebi bango comme des garçons de course, mais lobi ba komi kolingano ba postile. Et ça fait honte, ça fait très mal. Et ça n'a pas, moi, parti politique, moko boe, moutou moko outika poto boa lobi, que non, aza candidat à président de la République. On prend la République démocratique du Congo comme quoi? Bandeko, légèreté auto tiaka na gestion yambo kanabiso. Voilà comment est-ce qu'elles sont en train de nous rattraper. Voilà comment nous sommes légers avec 900 ou qui combien partis politiques misusu kutu ezata na siège té. Voilà la légèreté dans laquelle nous sommes. Nani ngwa ko croire biso na makambo tozo sala vraiment boy. Hein? Qu'est-ce que nous voulons résoudre nous les peuples congolais? C'est dès lors que nous nous sommes dit. Faudrait-il alors que mutu moko boy quelqu'un que nous ne connaissons pas qui est quand même assez
hein, assez la tête sur les épaules, ou bien quelqu'un qui est vraiment personnalité Mokobo. Moi, je parle ici de Mukwege. Excusez-moi, de parce que celui-là vraiment, il a les mains propres. Toyebi qui Azala qui Azamunganga Atanga Azana ba connexion. Il est prix Nobel de la paix, mais bon. Tome kata kope sa e kasiatam nani mbokango. Parce que parmi les politiciens, nazo monate. Ba politiciens go bango moko, boko mona. Même Ali de Pes, le président de la République est contesté même au sein de l'île de Pes. Secrétaire général, tantôt boe, tantôt mikanda boe, les gens qui sont censés à faire respecter la loi du parti, basala kayangote. Moi, je prends une personnalité comme Jacquemin Chabani. Et moi, j'ai compris pourquoi Jacquemin Chabani est si molle. Allez vérifier un peu du côté de ses origines. Pourquoi un type comme Jacquemin Chabani n'arrive pas à s'imposer? Bangone mtuba toye baka na IDPS keno bazalaka pembeni ya mokonzi. Et les autres, il ne reste que lui. IDPS komika kozala divisé ba to kote oyo ba lani oyo ba za tribalisé oba oyo kokanga batu. Vous voyez comment est-ce que nous sommes perdus. La République démocratique du Congo, nous sommes vraiment perdus. Tozana esika kokime la te bandeko. Et moi j'ai honte de mon pays. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Le problème, c'est quoi? Parce que, awa, na Contact Pro Live, nous disons tout simplement que, toyaka ko intervenir, te kaka tu banda ko dénoncer, ou bientôt pe sa point de vite, sans que nous apportons la solution. La solution que nous prenons ici, mes chers amis, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Parti politique, oyo, il faut que s'organise, et la kisabiso, que vraiment, makambo ba nomination oyo totika yango nanu na ba parti politique. Et c'est ça que j'ai déploré tout souvent na kati ensemble. Okoyo kao tozoze la Lubumbashi nomé biso. C'est la même chose que ça se passe à l'île de Pes. Jamais la base n'a jamais décidé quoi que ce soit. Alors, ceux qui boyebi ko rétrocéder pouvoir na base, comment est-ce que vous allez le faire à la tête du pays? Comment est-ce que lorsque vous ne faites pas parler votre base, et que ma décision banda ko uta na base, comment est-ce que vous allez le faire quand vous êtes à la tête du pays? Ça sera pratiquement difficile. Nous disons ceci. Mboka openza totika ngwata na ba personnalité civile moko boye mutu moko akoya akotia nanu ba politicien pembeni. Alo bisana nanu batu. Nous avions dit ceci depuis 2019 au président Félix. Pardon, Félix, to bandela zéro mboka oyo. Ko bandela zéro, c'est-à-dire que to solo la. Batuba solo la. Ba ito yebana. Réorganisons-nous, comment réorganisons le pays? Et nous avions exprimé ça dans le projet de 145 territoires. Oyo biso to konseva ki. Oyo bobino bo aplika ki na nenge amabe. Nous avions dit ceci. Demandez à chaque territoire d'organiser un colloque sur la réflexion d'une nouvelle constitution et sur la possibilité de s'identifier. Identification, quoi, il y a population en Wana, nous avions crié depuis longtemps. Ça va taire ce problème de guerre. Et que ces assemblées-là que nous avions appelé les états des lieux de chaque territoire devraient avoir place pour que nous puissions avoir une certaine cohésion nationale, et plutôt zalana, batouba yebana, que nous puissions refaire le Congo, ne fût-ce que tout ça là-bas ensemble, on a, oh yo batou, non, surtout bah, aucun de ça la réconciliation, tout se réconcilier, na bisomoko, tout pardonner peut-être bah, mabe, ou tout ça là-ka, batou, bah, ça là-ka, mabe, pour que nous puissions recommencer à nouveau. C'est ça que nous sommes, on est à la tolobaka, à la tolobi, please Félix, to bandela makambo à zéro. Le seul moyen qu'on pouvait le faire, c'était d'appeler les états de lieu de chaque territoire. Et que cela puisse se faire au même moment. Batounyoso, tout ba politicien, yonso, ozongi si bangona, batouna batouba kende na chaque territoire, ba kende ko solo la base, soit compromis, yako sa la Congo ya sika. Il y a que ça la constitution asika o eko retrocéder bango pouvoir pour que toyeba nani azo sala nini na kati ya Congo.
qu'on ne puisse pas continuer à s'entêter dans les erreurs dans lesquelles nous sommes en train d'aller. Tozo kende mabe, président de la République. Ata ba élection, bo, eza koye la biso ata solution mon côté. Ba élection, tant moussou toko trichango, tant moussou ko zala biaze, nous allons encore retomber dans les mêmes histoires politiciens ko salabo. C'est vous les politiciens qui doivent prendre confiance en disant, en conscience en disant, tozo kende mabe, topé sabatoua ba sengeli ba sala moussala. Nous ne sommes pas réhabilités, nous ne sommes pas habilités à faire du travail, totique la bateau, ba sala moussala. Toutes les postes, bilo cognon, c'est comment politiser président de la République. Voilà un peu, je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose de que j'ai observé, en tout cas que je voulais réagir de là-dessus. Et je vous demande, s'il vous plaît, ne manquez pas l'émission du direct de ce samedi. Je crois, oui, ça peut être pas samedi, mais ça peut être le dimanche après-midi. Je crois le samedi, je dois encore vérifier mon calendrier. Je crois j'ai un autre programme. Donc, nous pouvons le faire pratiquement le dimanche, l'après-midi. On peut prendre rendez-vous le dimanche où nous allons faire le direct. Et bah, si j'ai belé, toza nangwa kosolola, oyo, bokomo na ba analyse otozo salapona mbo kanabiso. Donc, merci beaucoup encore une fois de plus de m'avoir suivi. Donc, on se revoit donc dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.